intervenir, comment aussi mettre vos propres usages en fonction des envies que vous auriez sur ce lieu, en fonction de voilà, si vous êtes étudiant, salarié, s'il y a des choses qui, ou habitant du quartier, ou habitant des quartiers environnants, qu'est-ce qui vous donnerait ou peut-être trouver. En tant qu'étudiant, le café est quand même super cher. Ouais. Donc, trouver un restaurant ou une boucherie pas trop cher, c'est quand même marcher un peu. Ouais. Remonter Tolbiac. Ouais. Donc, c'est ça le seul problème de ce quartier. Mais pas de restaurant universitaire. On a un restaurant, oui, mais pour varier. Il n'y a pas de deux salles. Après, c'est rue Tolbiac. Sinon, parce que sur le long là, le long des quais, c'est. Ouais, c'est ça. Comme on dit, à un moment, le restaurant d'entreprise ou le restaurant universitaire, si on veut se croiser avec différentes personnes qui étaient là, assez peu de choses pour s'installer, assez peu de choses. Même c'est vrai le long des avenues finalement ou des rues. Tant que tu rien. Un homme la nature. De quoi la nature? Ouais, non, où est-ce pas que vous mettez des pique-niques? On est sur l'air. Par terre, du coup, on cherche finalement les traces où, enfin là où il y a du. On voit plus dans le parc, parce qu'en fait ici on vient pas trop, c'est plus dans le grand parc, là c'est direct en fait, c'est juste en face de l'esplanade. Ouais. Donc là l'herbe est plus vieille en fait. Ouais. Voilà, mais ouais c'est même l'herbe directement. Non mais c'est incroyable parce que c'est vrai que de plus en plus, on voit qu'il y a vraiment des initiatives qui germent un peu partout dans Paris, en France, partout dans le monde, à Détroit. C'est hyper visible, des initiatives de jardins partagés. C'est qu'il y a vraiment une nécessité pour les gens aujourd'hui de retrouver un lien à la terre. Et un lien à la terre, c'est des pratiques sociales autour de ça. Et puis voilà, c'est la terre, c'est un petit peu au début de la balade, mais c'est quelque chose qui nous nourrit. Parce que c'est un sol qu'on cultive, parce que c'est un sol qu'on retrouver. Puis c'est un sol sur lequel on habite. Et ce lien-là, il est très important à retrouver aujourd'hui en ville, quoi, même en ville. Et c'est un peu dramatique parce que quand on voit l'exemple des abeilles qui meurent en campagne et qui produisent bien moins parce que les sols sont morts en campagne, ils sont plus morts qu'en ville, on se dit où va-t-on, quoi. Donc finalement, c'est vraiment dans la vie, dans les villes, qu'il faut trouver des opportunités pour pouvoir retoucher terre. Et sur le quartier, il y en a des jardins partagés quand on va mettre dans le nouveau quartier. Alors moi j'ai pas tout vu dans ce quartier, mais je sais qu'un peu plus loin on va avoir un square où il y a un petit potager qui est très petit, qui est vraiment très petit. Pour moi c'est pas un potager nourricier, enfin c'est pas. On n'est plus dans la dimension d'ailleurs des jardins ouvriers, où vraiment le jardin ouvrier servait à nourrir la famille. Toute l'année. C'est vrai qu'on est plus en termes de jardinage aujourd'hui pour se retrouver autour de pratiques sociales, pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir partager quelque chose en dehors du cercle privé de la famille et puis en dehors de l'appartement. Mais c'est vrai que je ne sais pas s'il y a vraiment des jardins partagés un peu plus importants dans le quartier. Vous en connaissez peut-être autour de. Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a deux choses qui sortent de la piste. Il y a deux. Une qui n'est pas absolument nouvelle mais qu'il faudrait creuser, c'est les bistrots, les restaurants. Est-ce que c'est pensé? Et puis l'autre, c'est tous, justement, on en parle beaucoup. Tous. C'est parti des étudiants, mais effectivement, c'est un récit qui en vient varié. Puis d'autre part, le principe du jardin. Ouais. Plutôt que du jardin absolument sophistiqué, même
sont vachement sophistiqués comme celui-ci, qui est très beau. Et assez figé finalement, parce que c'est un peu à l'image du quartier de la ZAC, mais c'est vrai qu'on a affaire à mon avis, si on prend des photos, ça rend super sur les magazines. C'est des images parce que finalement ce quartier a été conçu, vu qu'il ne pouvait pas se raccrocher à une histoire, à un passé, les aménageurs qui sont intervenus là sont intervenus. Enfin, il y a eu trois aménageurs différents, enfin trois concepteurs différents, trois équipes. J'ai plus le nom en tête, mais je vais le noter. C'est pour le quartier Tolbiac, c'est Christian de Port-en-Parc. Pour le quartier Masséna. Ah oui, c'est là. Non, le quartier Masséna, c'est Christian de Port-en-Parc, donc c'est là où on est. La rue Tolbiac, c'est Bruno Fortier, donc c'est là où on était avec les travaux. Et la BNF, c'était Roland Schweitzer. Donc finalement, c'est un peu plus par la succession de projets urbains différents avec différents aménageurs qu'on a essayé d'insuffler au lieu donc cette diversité, ce métissage un peu en termes d'architecture, de parc, de square, etc. Mais voilà, maintenant on a envie que ça vive avec des initiatives habitantes, avec des initiatives sociales, enfin comme on pourrait dire, vraiment partagées. Quoi, que ce soit à la BNF, il y a une expérience, c'est celle du Dansoir, qui est remarquable, en 6 mois par an. Il y a eu des propositions très précises de bouquinerie, qui allait très bien avec l'esprit de la BNF, et du monsieur Perrault, architecte. Ça allait défigurer. Voilà, c'est terrible. C'est terrible parce que.